ça. Assieds-toi. Mon amour, tu sais, non? C'est ce que je suis en train de faire. Ne t'en fais pas. Très bien. Ce pari sera validé. Allô, mon frère. Oui, où es-tu maintenant? Les gars que je t'avais dit, il est là. Oui, oui. Ok, s'il te plaît, fais vite. Hein. Il arrive. Oh, d'accord. Regarde, quand ce pari sera validé, je vais t'acheter une voiture. Je vais m'acheter une voiture pour ton frère. Je vais mettre ton frère en vie. Je vais le briser. Je serai une nouvelle personne dans 2 semaines. Mia, Mia. Bon, Fabien. Oui, comment tu je vas? Je veux bien. Sois le bienvenu. Quel beau frère. Attends un peu. Tu viens d'arriver sans véhicule? Sans véhicule. Pas de tricycle. Pas de moto. Donc, absolument rien. Tu es venu, Bredouille? Je suis sur le point de commander ma voiture. Ok. Tu l'as laissé chez le mécanicien? Je comprends. Qu'est-ce que tu fais? Apporte-moi une chaise. Oui, je vois, les politiciens s'habillent comme ça. Je ne suis pas vraiment comme un politicien. Ah bon? Je n'aime pas trop me stresser. Tiens, tu dois être un homme d'affaires très très sérieux. Non, ne t'en fais pas, je vais l'ouvrir seul. C'est bien. Je fais des affaires en ligne. Et tu fais tes affaires en ligne. Mon beau frère, la vérité est que... Je suis un parieur. Mais j'ai un master en production. Tu n'es qu'un parieur, donc tu prédis et paries, c'est ça? Sur quoi est-ce que tu paries? Tu paries dans quoi? Regarde ces matchs. Hein. Très bientôt, ces paris seront gagnés. Je parie que ces cotes vont réussir. Exactement. Je vais rapporter aux environs de 8000 naira. Tu n'es qu'un voleur. Regarde-toi, tu n'es qu'un voleur. Hein? Mon frère. Vois des gens comme toi, ce sont des gens que le pays ici recherche. Et tu n'es qu'un voleur. Mais comment est-ce que... Tu n'es qu'un parieur sportif, nageur bête. C'est ce que tu fais. Donc ce sont tes affaires. Si tu fais de plus de prouesses, viens en ligne. Mon ami, est-ce que... Hein? Je partage des paris. Je montre avec comment les gens jouent. Et nous gagnons. C'est par habitude, je gagne plus de 8000 de nerfs. Oh, voleur. Tu vois peut-être que je suis là. Tu es un voleur. Ce même soir. Je t'ai acheté une voiture. Ne m'achète aucune voiture. Je vais casser ça. Je vais me construire une nouvelle maison. Tu construis ta propre maison au village. Je vais construire une nouvelle maison ici. Ne répète plus cette bêtise. Ne la répète plus. Pourquoi tu es tenté de me faire ça? N'essaye plus. Laisse-moi voir. D'ailleurs, donne cette. Mon frère, il va gagner. Il va gagner quoi? Donc, il veut gagner ton cœur? Avec 200 naira. Je veux gagner quoi? Je vais gagner ça. Arrête ça. Regarde-moi ton homme. Tout ce qu'il sait faire, c'est parier. Mec, lève-toi. Il a dit qu'il va t'acheter une voiture. Ne fais rien. Regarde, si c'est pas rire à porter, je vais t'acheter une mini voiture. Non, j'ai toute la maison. Et si tu perds? Et si tu perds, alors tu vas perdre de 200 naira. Arrêtez d'être négatif. Mon ami, j'ai encaissé des bêtises. Et je ne veux plus encaisser encore, d'accord? Et je t'ai vu en premier et je ne veux plus te revoir sans te repasser. Mon frère, essaye d'expliquer à ton frère. Tu veux que je fasse quoi? Malade. Que je me calme, pourquoi toi aussi? Que je me calme, pourquoi? Que je la laisse, pourquoi? Regarde les gens que tu suis. Pourquoi tu lui as fait? Des gens comme ça. Un homme qui est clairement venu pour prédire ici et ici. C'est ce qu'il sait faire, pas d'autre. Il joue à un gênant et il va gagner. Je le crois. Et gagner ton cœur, n'est-ce pas? Et gagner ton cœur avec 200 naira. Non, il a dit qu'il va t'amener un village. Laisse-le aller construire sa maison au village. Et pas avec moi. Il va t'acheter des voitures. Il a même l'audace de venir chez moi à la maison. Et ça sort sur mes chaises en plastique. Mon frère, tu m'as dit d'amener un homme à la maison, non? Tu veux mener ce que tu as fait? Ce n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. C'est un parieur. Il n'est rien du tout. Un parieur de rien du tout. Mais il fait de l'argent. Quel argent? Dis-moi, quel argent? Les trucs, qu'est-ce qui ne va pas? Dieu merci que tu sois venu. Reste et surveille les chambres. Je me dépêche, je vais mettre la maison. Attends. Le stopper pourquoi? Ah. Oh! L'arrêter de ne pas battre, c'est courir des chipons. Radin qui vient du village, c'est ça?
Lily, c'est toi. Tu as parlé de Dieu à notre frère, n'est-ce pas? Je l'ai aussi aidé de chasser ces sales corps qui sont mauvais. Je sais très bien que bientôt viendra ici pour demander de l'argent, c'est ça? Viens, 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 viens rester dans ton shop, moi je sors. Viens rester ici. Ah, regarde-moi ça. Viens rester dans ton shop. Hey, je ne comprends plus rien. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette fille? Je vais quitter ton... Je vais laisser ce shop. Oh. Ah. Mais ce mec est toujours incompréhensif, ce mec. Hein? Ce mec est comme ça. Arrête-toi, 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 malade. C'est débile, ne fais pas les mains. Je suis désolé. Je suis désolé. Je dirai tout ce que tu voudras. Reste loin de mon héritage. C'est tout ce que j'ai. Mon frère, tu ne veux pas clôturer ton terrain. Tu es malade, qui est-ce qui parle de terre? Désolé, 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 mon frère, désolé. Tu es malade. J'ai compris. Je suis désolé, d'accord? Je ne ferai plus. C'est la distance de mon héritage. Si tu es l'esposa, tu peux me laisser en vie. Tu peux me laisser en vie. Je vais te laisser en vie. Je vais partir en vie. Je te laisserai partir en vie. Je sais que je ne veux plus aller fermer la maison de tes parents. Je ne veux plus aller. Approche-toi encore et tu verras ce que je te ferai. Je ne parle pas de ma pensée, je parle de ma soeur. Ma soeur constitue à elle seule. Je ne peux jamais approcher de ton héritage. Alors n'ose plus t'approcher d'elle. N'ose plus jamais. Les jours où tu oseras. Je ne peux jamais approcher de ton héritage. Ose encore. Tourne. Tu vas plus t'approcher d'elle, c'est ça, non? Je risque de plus vivre. Tu verras. Oh, ose encore. Je ne veux plus oser. Attends, tu penses que je vais avec. Tu penses pardon. Que je vais avec toi? Tu penses pardon, que je suis pardon. Pardon. Vous voyez cette réunion à laquelle je vous ai convoqué, c'est vraiment une réunion très, très, très cruciale. Donc je veux que vous entendiez attentivement. Et tu es maintenant? Es-tu stupide? Es-tu stupide? Non, mais est-ce que tu peux te taire? Je te parle et tu as le courage de me répondre. Ce téléphone que tu utilises sur TikTok, WhatsApp, Snapchat, et tout ça, et qui te l'a acheté? Moi, j'étais personnellement acheté ce téléphone. Allez partout, demander. Lequel des amis de mon âge qui prend soin de ses sœurs, je veux dire, ou des petites sœurs? Et je ne parle pas de petites filles, et je n'en parle pas. Je parle des adultes comme vous. Allez vous renseigner. Et vous vous mettez à me répondre pendant que je vous parle. Et quand j'étais là, Guillaume, et quand j'étais là, travaillons Dieu pour que vous deux vous puissiez être nourris. Pour que vous puissiez mettre le toit sur votre maison. Est-ce que je m'en suis plaint? Mais suis-je déjà plaint? Quand je parle, vous devez m'écouter attentivement. Grand frère. Hein, tu sais quoi? Nous sommes désolés. Non, mais. Je ne veux vraiment pas attendre ça. Maintenant, écoutez. Vous deux, écoutez-moi. Et tout ce que je veux entendre dans cette maison, je dis bien tout, peu importe ce que vous avez à me dire. Je veux entendre mon frère. J'ai rencontré un homme riche, très riche. Et cet homme riche me veut m'épouser. Je veux qu'une autre vienne me dire, mon frère. Et tu sais que mon petit ami, grand frère, il m'a dit de te demander quand est-ce que tu seras libre pour qu'il vienne demander ma main. Grand frère, et quand penses-tu que nous puissions quitter ce pays? C'est ce que ça doit être. Est-ce que vous ne comprenez pas autre chose que ça? Je veux rien entendre. Vous comprenez? C'est ce que je veux entendre. Et pas moins que ça. En d'autres termes, je veux dire que je ne veux pas vous voir avec des hommes pauvres. Je ne veux pas vous voir avec un pauvre. Toute cette bêtise qu'on appelle ici, monsieur, des Najabets. Et on appelle ça quoi? Un Nerabets ou un Sportibets. Je ne veux pas te voir avec un d'eux. Est-ce clair? Je ne veux plus te voir avec un d'eux.
Céline. Revenez ici, vous deux, revenez. J'ai oublié quelque chose. Je viens à peine de me rappeler. Grand frère, asseyez-vous. Écoutez. Vous connaissez cette église, cette grande église juste derrière le marché. La grande église, là où on a mis une cloche qu'on sonne à tout moment. J'ai appelé cette église-là et il y a une croisade ce soir. Et alors? Oui, et donc, j'ai aussi appris que le pasteur fait de merveilles, de miracles. Et c'est ce que j'ai appris. Qu'est-ce que c'est là? Il y a des très grandes choses. En fait, je veux vous dire, il y a des très grandes choses à vous faire, vous deux. Et vous voyez mon oreiller droit. Il y a de... Il y a l'argent là à l'intérieur. Ok. Prenez cet argent. Allez, vous deux, juste à cette église. Allez dans cette église. Tout ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous y allez. Et que vous puissiez vous agenouiller. Et tout ce que je veux que vous fassiez, que vous puissiez prier Dieu. Et demander à Dieu. Et Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Et s'il te plaît, Seigneur, donne-moi un bon mari. Et donne-moi un homme riche. Et Dieu, qu'est-ce que tu ne m'as jamais accordé? Tu m'as déjà accordé le souffle de vie. Maintenant, Dieu, donne-moi un homme riche. C'est tout. Et telle doit être ta prière. Pas plus, pas moins. Grand frère. Oui, ma sœur. Je suis vraiment désolé, est-ce que ça va? Es-tu aveugle? Je suis désolé. Veux-tu me tuer? Non, tenez à me pardonner. Je suis vraiment désolé. Madame, je suis vraiment désolé. J'espère qu'il ne vous a rien arrivé. Ne me touche pas, je vais bien. Madame, s'il vous plaît, madame, juste par mesure de prudence, je vous en prie, prenez cet argent. Peut-être le pied pouvait vous déranger à la maison. S'il vous plaît, prenez cet argent. Je vous en prie. Je suis vraiment, vraiment désolé. Pourquoi vous avez l'habitude de lier l'argent à tout? Non, ne le prenez pas comme ça. Juste que j'essaie un peu de réparer ce que je viens de faire. C'était vraiment mal. Serais-tu en mesure de me donner cet argent si quelque chose de mal était arrivé ici? Est-ce que tu le ferais? Oh, pardon. Viens, emballe tes affaires en partant. Écoute, trouve-toi un bon chauffeur. Boss, savez-vous que je n'arrive pas à comprendre? Pouvez-vous imaginer a-t-elle dit que tu fais des bons services comme un bon chauffeur? C'est tout ce qu'elle a pu me dire. Elle me dit que je dois arranger ma manière de conduire. Waouh, j'aime ça. Tu as beaucoup de compétences en conduite. Boss, va de l'autre côté. Boss, votre argent, non, votre non, argent. Garde ça. Ah, ok, merci. Enfin, nous ne sommes pas en train de plaisanter. Non. Je ne veux pas gaspiller mes articles au nom de qui te dit toutes ces choses? Qui est-ce qui te le dit? C'est plutôt Dieu qui protège. Tout ce que je veux est que tu ailles au supermarché. Va au supermarché acheter, en acheter un ou deux et c'est tout. Déjà au grand marché pour acheter un ou deux. Pourquoi exactement? Les articles sont devenus très chers. Trouvons juste un marché local ici pour... Tais-toi. Tu parles de ton marché local. D'abord, regarde-moi. Est-ce que j'ai l'air local? Suis-je un homme local, moi? J'essaye de faire de mon mieux pour vous élever en niveau. Vous élevez en niveau. Mais essayez de vous-même, vous essayez de vous rabaisser vous-même.
Mais c'est quoi votre problème? Tais-toi, porte cet habit comme ça, tu iras au supermarché m'acheter quelque chose. C'est incroyable. Tais-toi, va à l'intérieur. Et va à l'intérieur comme ça, tu vas porter. Laisse-moi, allez, t'as nécessité. Pourquoi est-ce que vous êtes tous déçus d'inconscience? Vite, fais vite. Tu es en retard? D'abord, qui est-ce qui t'a dit que tu es en retard? Mais toi là, est-ce que tu peux pas en fait te traîner même un peu? Traîne là un peu. Mais tu m'as dit de les faire, oui. Hein? Mais qu'est-ce que ça va avec ça? Mais donc tu n'as pas pu aimer une petite culotte là-bas. Regarde comment tu sortis. Il y a des voitures pas. Regarde-toi un peu. Regarde comment tu as pour un peu plus sexy. Hein? Je sais même pas ce qui va pas avec toi. Hein? Regarde-toi. Quand j'ai parcouru tout le monde, j'ai pas vu des belles filles comme toi, mais que tu es là. Hein? Mais regarde-toi, je me dis enfin que j'ai de très belles filles chez moi. Mais avec ta façon, il n'y a pas moyen de voir de belles choses. Hein? Et c'est quoi ton problème? Tourne. Regarde. Couvre bien. Mais tu m'énerves. Non, mais est-ce que tu peux te taire? Et tu vas porter les choses comme ça. Mais c'est toi qui me l'as acheté. Hein? Je veux que tu paraisses sexy et non que tu te tues. Hein? Regarde-toi. J'espère que tu t'es parfumé à un moment. Et pour que tu aies une bonne odeur. Hein? Au lieu de sentir des poissons fumés. Hein? Regarde-toi. Regarde combien tu es très jeune. Tu ne peux pas aller m'amener un monsieur riche. Hein? Mais j'essaie. Mais pourquoi est-ce que tu es en train d'essayer au lieu d'être directement précise? Parce que c'est Igor Boss qu'on va manger dans cette maison. Au lieu d'aller partout dehors, que les gens t'apprécient pour que tu amènes des hommes, tu ne le fais pas. Regarde, qu'est-ce que tu as ouvert là-bas? Reviens ici, qu'est-ce que tu as ouvert là-bas? Allez, couvre ça. Couvre vite. Tu n'es qu'une impression. Tu es très jolie, regarde-toi. Tu es brillante, tu es mignonne, magnifique. C'est tellement étriqué, c'est étriqué. Elle sort par ici, tu dis que c'est Dieu mais à côté. Mais c'est parce que tous tes amis sont en train de mettre partout d'ailleurs. Alors viens, je vais voir. Regarde toutes ces choses. Regarde comment tu as des cours. Attends, ne tombe pas. Regarde comment vous êtes merveilleuse. Tu veux raconter quoi? Allons-y, nous n'avons pas suffisamment de temps. Comme je le disais tantôt, je veux que vous alliez là au champion. Que vous alliez. Et tout ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous visitez un département à un autre. Vous comprenez? Assurez-vous d'acheter quelque chose, des choses les plus chères. Mais restez dans le département qui est juste là. Et achetez les choses les moins chères. Même si ce n'est pas moins cher. Vous comprenez? Mais ce n'est forcément les prendre et les mettre, comment on appelle ça, dans le panier. Et prenez ça et vous allez mettre ça de l'autre côté. Et quand on va le voir, vous allez dire non. Enlevez ça. Mais n'allez pas dire enlevez ça. Dites comme ça. Enlevez ça comme ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je vous enseigne ce que j'ai appris. Et qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à m'apprendre? Enlève ça. Et je n'ai pas besoin de voir ça. Chose que je ne mange pas. Est-ce que vous comprenez? Et quand vous irez dans ces cache-portes, je ne vous demande pas d'aller commencer à marcher comme ça. Et allô, foufou. Hein? Est-ce que c'est compris? Et c'est ce que je veux. Vous devez marcher tendrement. Et sexy. Comme vous avancez et vous tenez le panier comme ça. Faites votre réponse. Assurez-vous que c'est ce qui se passe. Et vous marchez comme ceci. Mais les gens vont nous voir comme des imbéciles. Non, ce n'est pas ça. Mais vous dites juste que vous connaissez. Vous allez très bien marcher. Vous faites comme ça. Essayez de bien vous tenir. Ne soyez pas comme ça. Et ce soit plutôt comme ça. Vous prenez et marchez comme ça. Et je vous dis la vérité. C'est stressant. Ce n'est pas du stress. C'est juste une stratégie. C'est une stratégie du marketing. C'est ce que c'est. Et quand vous arrivez, là, c'est dans votre, comment on appelle ça, la caisse. Il ne faut pas aller là-bas à cette position. Se tenir comme ça. Non, pas comme ça. Et vous devez vous assurer de pouvoir vous faire bien. Approche d'abord. Accroupis-toi. Pas comme ça. Tu vas chier. Le genou. Comme ça. C'est comme ça. Et suis ta soeur, copie-la. Vas-y, copie-la, ne casse pas la jambe. Et c'est comme les modèles. Allez, comme ça. Très bien. C'est vraiment comme ça. Oui, un peu doucement. Oui. Tout ça, mon frère. On peut partir maintenant. On peut partir. Allez-y. Allez-y, je prends bien soin de votre boutique. Je prends bien soin de la boutique. Allez-y. Prenez la gauche. Prenez la gauche. C'est ça, la boutique. Il faut vraiment veiller sur ta robe. Arrête-toi. Attends. Oh, mon frère, où? Laisse-la fuir. Laisse-la. Vous ne savez même pas. Mais non, c'est bon. Remonte-la. Remonte-la comme ça. Hein? Prenez soin de votre démarche.
Voilà, c'est comme ça. Une fille demande de marcher comme ça. Marcher comme ça. Et c'est comme ça que les belles filles marchent. Et pourquoi est-ce que vous marchez comme des hommes comme ça? Hey, la fille la plus chaude, la fille sexy, la plus belle. Oh mon Dieu, comment pourrais-je te qualifier? Viens. Ah. C'est quoi ce comportement? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'es qui toi? Ah, quitte-la. Qu'est-ce que tu veux dire par là, hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sommes-nous du même niveau? Céline, est-ce que tu peux arrêter ça? S'il te plaît, allons-y. Tiens, écoutez, arrête tes bêtises, arrête ça. Bébé, comment vas-tu? Où étais-tu? Je suis toujours aux alentours d'air, j'allais chez vous, bébé. Écoute, on va faire ceci. Demain, tu passes au shop, comme ça on aura le temps de parler. Demain, je serai là. D'accord. S'il te plaît, allons-y, non? N'oublie pas de passer, je t'attendrai demain, ok? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu peux partir, non? Écoute, n'oublie pas de passer demain. Je viendrai. Je t'aime aussi, des bonnes choses. Imbécile. Pour toi, bébé, j'attendrai, même 100 ans. Et Seigneur Dieu, je t'en supplie. Et je te demande cette fois, Seigneur, tu sais très bien que je ne le fais pas souvent, Père. Et tu sais très bien que je ne demande pas souvent des choses, Seigneur. Je te demande que pour cette fois, Seigneur. Et je te supplie que tu le fasses pour moi, Seigneur. Éternel bon Père, fais-le pour moi. Et s'il te plaît, comme tu l'as dit, et dans la Bible, et aide-toi, le ciel te donnera. Et Seigneur Dieu, ne me suis-je pas aidé? Si je me suis aidé, j'ai pu travailler pour moi-même et mes sœurs. Et Père éternel, je te prie et je te supplie que les hommes riches, venant du sud, venant de l'est, de l'ouest et du nord, qu'ils ne localisent que mes sœurs, qu'ils localisent Anna et Selina. S'il te plaît, Père, je t'en supplie, je ne veux pas demander autre chose. Hein? Seulement celui-là, Seigneur. Seigneur, et je sais, Dieu, tu vas exaucer ma prière. S'il te plaît, Seigneur, je t'en supplie. Regarde toutes les autres, celles qui n'ont même pas de belles courbes. Et Seigneur Dieu, tu leur as donné des hommes. Tu leur as donné des hommes riches. Mais Seigneur, regarde mes deux belles sœurs. Elles sont en bonne santé. Elles paraissent en bonne santé. Et Seigneur Dieu, donne-leur des hommes riches, Père, je t'en supplie. Je te prie, et je sais que tu le feras pour moi. Et Seigneur Dieu, ne me laisse pas demander cette chose pour une deuxième fois. Et Seigneur, laisse-moi te supplier, et je t'en supplie. Que ces hommes riches viennent voir mes jolies sœurs, Selina et Anna. Mes mignonnes sœurs, comment ça a été? Bonsoir, on n'a pas vu des hommes riches. Jéhovah, vous n'avez vu aucun homme riche. Mais êtes-vous sûr d'avoir fait tout ce que je vous ai demandé? Êtes-vous sûr de l'avoir fait? Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas aimé toutes ces choses, hein? Pourquoi est-ce que vous les avez achetées? N'est-ce pas que c'est toi qui... Est-ce que tu peux te dire? Devrais-je te dire? N'avez-vous pas tout ça? Si vous n'en avez pas? Ok, et maintenant que vous avez été sur ça, restez bien, vous avez été pour acheter toutes ces choses. Ok, et maintenant, qu'est-ce qu'on aura acheté pour bébé de mère? Je ne le ferai plus. Il n'est pas sûr. Reviens ici. Bonsoir, je suis fatiguée. Regarde, ne blaguez pas avec moi. N'osez même pas me chercher. Ne me cherchez pas. Donc, vous êtes fatigué. Mais maintenant que vous avez utilisé l'argent que nous avions, où est-ce que j'aurai l'argent pour que vous retourniez? Et lorsque quand le proche m'a dit que je n'avais pas dit, devrais-je vous dire toutes ces choses? Donc, si vous rencontrez un homme maintenant, je suis celui qui vous dira de enlever votre jeu. Enlevez-la. Vous voulez que je donne un conseil à cet homme de comment enlever votre blouse? Pourquoi vous n'avez pas vos titres à Céline, viens ici. Rentrez là-bas dans ce shop-là. Remettez-le leurs histoires. Récupérez mon argent. Tu sais quoi? Finalement, ça va devenir un problème. C'est un petit village. Oui, mais... S'il te plaît, pas patron. Ok? Et s'il arrivait que tu aies un problème, je serai de ton côté. Ah, comment ça, boss? Comment? Ouais.
Hier, quand tu as failli taponner ma fille. Boss, la fille, non. Tu t'en fous de moi? Non, la fille. Mais demain, ça m'a planifié quelque chose. On va trouver la fille et tu vas encore les tamponner. Ah. Ah. Où est ta sœur? Elle est là. Bonjour, grand frère. Bonjour. Je vais au shop. Tu vas à la boutique? Tu vas à la boutique habillée comme ça? Hein? Mais grand frère, qu'est-ce qu'il y a avec mon habillement? Tu me demandes ce qui se passe? Je suis en train de faire de mon mieux pour vous acheter des très beaux habits, vous deux. Je suis en train de faire de mon mieux pour que vous puissiez trouver des beaux habits à porter. Mais vous ne voulez pas porter. Vous ne voulez pas bien vous habiller. Vous voulez juste apparaître comme un Mimi Yamaka. Regarde-toi, hein? Grand frère, est-ce que je peux partir maintenant? Allez où? Au shop, bien sûr. Tu n'iras nulle part. Tu ne peux pas aller à la boutique. Sans être changé. Regarde-toi. Tourne. Regarde-toi. Regarde les choses que j'ai. Allez, va à l'intérieur. Toi aussi, celui-là. Change ça. Mets une mini-jupe. Viens, vite. On va te maquiller rapidement. Assieds-toi vite. Allez, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je suis déjà en retard. Assieds-toi vite. Toi là, viens la maquiller vite. Assieds-toi, on va te maquiller. Attends, ton visage là. Ton visage, il est très sec. Est-ce qu'une fille de ton âge peut se marcher comme ça? Je parle comme une petite fille. Où est-elle? Reviens. Où est-ce qu'elle part? Mais reviens vite, non. Mais viens te maquiller, oui. Laisse la fouiller. Tu vas me faire dépenser de l'argent sans que tu l'utilises. Regarde. Tu as dit que tu n'aimes pas le maquillage. Tu as dit que je t'achète c'est quoi le nom? Zinken. Je t'ai acheté les Zinken. Après, j'ai dit que tu n'aimes pas les Zinken. Je suis allé acheter les HD. Tu as dit que tu n'aimes pas ça non plus. Tu achètes quoi encore? Zara. J'achète Zarion. Je suis allé acheter Zarion. Regarde ça maintenant. Maintenant, viens te faire maquiller et tu te mets à fouiller. Va fouiller. Vas-y. Remets ça à la maison. Montre-le, je vais voir. Mon frère, ça, non. Tu vas l'abîmer. Cacher quoi? Ça, c'est le bon de mon côté. C'est l'original, non? Regarde ça. Continue à fouiller. Viens. Mon frère, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu l'as lavé hier soir? Est-ce que tu t'es... Est-ce que tu t'es lavé? Mon frère, ça c'est quelques éries. Laisse-moi tranquille. Tu veux me dire quoi? Hier quand tu es revenu ici, tu sentais de partout. Laisse-moi tranquille. Hein? C'est quoi ton problème dans c'est ça? C'est une mauvaise odeur. C'était une mauvaise odeur. C'est de la tienne. Ne savez-vous pas que nous avons des odeurs différentes? Nous en avons les masculines, nous avons aussi les odeurs féminines. Nous avons des odeurs où quand une femme ne se lave pas, elle sent mauvais. Et quand elle chie, il y a un autre type d'odeur. Vous ne savez pas toutes ces choses. Et ça aussi, je dois vous enseigner. Vous voulez asphyxier les gens avec vos mauvaises odeurs. Saline. Regarde comment j'ai l'air. Oui, boss. Juste comme un bon chauffeur. Boss. M'as-tu appelé patron? Appelle-moi chauffeur.
Dis ça. Oh mon Dieu. Regarde, Chux, ne commence pas à jouer avec moi. Ok? Pas ça. Vas-y, appelle-moi. Chux, appelle mon chauffeur. Chux, appelle mon chauffeur. Oui, monsieur chauffeur. D'accord, monsieur, allons-y. Allons-y, allons-y, chef. Allons-y. Maintenant, allons-y chercher les problèmes. Céline, ajoute et l'autre là, l'autre qui démarque le nez de ses deux yeux. Ajoute plus celui-là. Comment tu l'appelais? C'est comme ça que vous l'appelez. Moi je me fous de la manière dont vous appelez. Quoi que vous appelez, c'est moi je crois que ce n'est pas ça. Parce que ce que j'utilise, c'est différent avec. Utilise ça pour bien démarquer les yeux. Oui, et fait très bien. Mais même ligne. Mais une ligne pour se faire bien démarquer les choses. Ah, voilà. Comme ça. Arrange bien, arrange le coup. Arrange le coup. Voilà. Tu le fais. Voilà. Allô? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis encore à la maison. Non, ça ne sera pas possible. J'ai un rendez-vous. Hein? Ok. Ok, je viens. Pas de problème. Et tu arrives, qui est-ce? N'est-ce pas Anna? Elle me demande d'aller dans son shop. Faire quoi? Tu veux que tu ailles à la boutique faire quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle devait aller acheter quelque chose. Peu importe. Ne perds pas ce make-up. Ne perds pas. Assure-toi de bien garder ses maquillages. Va à Plaza et achète-toi crème glacée. Achetez la crème glacée. Prends ça petit à petit. Marchez dans toutes les rues. Jusqu'à ce que les hommes riches sortent. Et quand je verrai les hommes riches, je dois me présenter très sexy envers elle jusqu'à ce qu'il ait mon numéro. Jamais, mon frère, jamais. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est ma soeur. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Ah, c'est ce que tu devrais faire. J'aime beaucoup quand quelqu'un est très, très intelligent. Très, très intelligent. Et tu es très intelligente et je suis vraiment fier de t'avoir comme sœur. Et n'oublie pas de bien sourire. D'abord, montre-moi tes dents. Et ton nez, ne fais pas ça comme ça. Ne fais pas ça comme ça. Tu dois vraiment avoir un regard sexy. Tu dois avoir regard ça. Tu dois regarder comme ça. Regarder comme ça, comme ça. Oh, désolée. Merci. À la prochaine. Hey. Bon après-midi, bienvenue. Oui, le paquet de sachets d'eau est là, dehors. À bientôt. Allô? Bonjour. Je vais bien, rien de spécial. Je suis au shop. Comment tu vas? Mais pourquoi tu dis ça? Ah. Mais tu ne me l'as pas dit. Je t'ai vu hier. Tu ne m'as pas dit que ta maman était malade. Ah. Je suis désolée. Dis-moi, sommes-nous en train de parler de combien? Ah, ça, c'est une somme importante, oh. Ah, et je ne saurais te faire un transfert pour le moment. Ok, et tu sais quoi? Ne te dérange pas. Ok, d'accord, laisse-moi aller trouver l'endroit où on envoie l'argent. Je te fais la moitié du montant, hein? Comprends-moi, tu sais comment les choses sont dures ces derniers temps. S'il te plaît, d'accord? Prends soin de toi, ok? Ta maman ira bien. D'accord, je vais t'appeler après. Bye.
Célina, où es-tu? Où es-tu? C'est quoi ton problème au juste? Je viens, non? Hein? Tu ne sais pas comment chercher une bonne quand tu veux te déplacer? Ne me dis pas que je suis maintenant à la place de ta bonne. Pour venir m'aider à surveiller les chambres, tu dois prendre le temps de te maquiller, Céline. Écoute, je vais rentrer. C'est quoi ton problème, Sève? J'arrive, non? Non, ne retourne pas, s'il te plaît. Dépêche-toi. Hein? Dépêche-toi. Hein? Je t'attends. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me présente à toi. Père, tu sais que je ne t'appelle pas pour ce genre de choses. Et je ne suis pas venu te demander. Plutôt, je suis venu te supplier. Père éternel, je t'en supplie. Et je te supplie, Père éternel, pour le compte de mes sœurs. Père, je suis la tête de cette famille. Père, je me suis bâti pour éduquer mes sœurs jusqu'à ce niveau. Père, je me suis bâti pour qu'elles entrent en possession de tout ce qu'une femme peut avoir et qu'elles ne soient pas mal en point. Et maintenant, oh oui, Père Céleste, elles sont vraiment mal en point. Père éternel, c'est pourquoi je te prie, c'est qu'elles aient un très bon mari. Des maris riches, Père. De telle sorte que je récupère tout ce que j'ai pu faire pour elles. Acheter les habits, le nourrir, faire tout ce que j'ai pu faire pour elles. Père éternel, c'est ce qu'exactement je suis venu te demander. Père, je suis un homme. Je suis un homme dont les sœurs doivent épouser les hommes riches. Éternel Père, c'est aujourd'hui que je te le demande. Père Céleste, je te supplie, Père, regarde Dangote. La femme qui a épousé Dangote, n'est-ce pas humaine? Eh, Père, c'est cette femme qui a épousé Dangote, Père, n'est-ce pas humaine? N'est-ce pas une être humaine? Et tu es en train d'essayer de me dire qu'elle n'a pas de frère qui prenne profit de ce mariage? Père, alors qu'en est-il de mon cas, Père? Éternel Père, je t'en supplie. Je t'en supplie, Tout-Puissant Dieu. Donne à mes deux sœurs des bons maris. Qu'est-ce que je vais te faire? Allez, passe mon téléphone. Désolée. Es-tu avec? Madame, je suis vraiment désolée. Pourquoi vous êtes mal à rester chez vous? Apprenez à rester à la maison, ma tête. Hé, hey, c'est cassé. Ah, c'est fini pour ça. Je suis vraiment désolée. Je... C'est ta désolation qui fait réparer mon téléphone. Hé, hey. Jeune fille, c'est quoi le problème? Donc, c'est là que je sers. Oui, c'est mes affaires, parce que c'est mon chauffeur. Oh, c'est toi? Tu as mis en pratique mon conseil, tu as trouvé un chauffeur. Mais tu as manqué de trouver un bon chauffeur. Un bon chauffeur! Ou encore, tu dois changer ses pare-brise, sinon il finira au fond. Juste comme ça, un peu. Donne une pochette, tu me portes quoi? Je suis vraiment désolée, madame. Désolée, mon œil. Tu veux plus qu'on l'arrange, hein? Partout dans la rue. De malchance. Tôt le matin comme ça. Hé! Hey. Ils ont failli gâcher mon humeur juste le matin comme ça. Ah! Pardon.
certainement, ces garçons sont des envoyés du diable. Hein? Ils sont de... je ne sais d'où. Ah. Hmm. Comment je vais appeler Joe maintenant? Je ne sais plus maintenant comment faire pour lui envoyer de l'argent. Mais mon téléphone est abîmé. Hein? Ça, c'est quelle tentation, mon Dieu. Comment je fais maintenant? Comment je vais entrer en contact avec Joe? Salut, beauté. Salut. Ah, bon après-midi. Ah oui, bonjour. Ah, regarde ça. Regarde comme tu es en train de briller. Waouh, tu es très drôle. Ah, ah, on peut dire ça. Bon, dis-moi, est-ce que tu vis aux environs? Oui. Et toi? Oh yeah, je suis nouveau ici. Je suis l'entrepreneur général de Market Speed Company. Project. Wow, je vois. Ouais. Bon, dis-moi, quand est-ce que tu vas me faire visiter les environs? Même maintenant, parce que je suis libre. C'est vrai ce que tu dis, tu es libre maintenant? Oui, je suis vraiment libre. Qu'est-ce que tu as? T'as vu entrer? Oh, ok. Bien, tu vois, je n'ai pas vraiment été un bon fan de mascotte, mais quand tu m'en as parlé, j'ai directement eu envie d'en parler. Tu en as vraiment besoin. Alors t'inquiète, le festival arrive bientôt. Tu seras là. Je te promets, tu dois te réjouir. Mais c'est mascotte. Bon, tu me fais croire que tu es le genre de fille qui aime le film de mascotte. Ha! Sans effet, je les rejette. Une femme comme moi, non. Mais regarde ta tête, non, je suis en train de plaisanter. C'est une blague, sois pas fâché. Ok, tu viens déjà de me faire visiter où se trouve le mascotte et on part où? T'inquiète, lorsque le festival arrivera. Maintenant, je vais juste te montrer toutes les avenues. Le meilleur endroit que tu places. Veux partir pour oui, te oui. Détendre, te détendre, oui. Avec une bonne climatisation, oui. Hein, c'est ça. Désolé, patron. Merci. Ton père est gentil. Ouais, c'est pourquoi je l'avais embauché. Je t'en prie. Okay. Tu peux faire marche arrière pour que nous puissions prendre notre chemin, hein? Ok. Ok, c'est très bien. Bonsoir, grand frère. Viens d'abord, viens. C'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que tu es rentré tôt comme ça? Hein? Je me sens fatiguée. Hein? Je vais me reposer. C'est d'accord. Anna, c'est quoi le problème? Hein? Quelqu'un a abîmé mon téléphone. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Quelqu'un a abîmé mon téléphone. Quelqu'un a abîmé ton téléphone. Et qui est cette personne? Qui est celui qui a abîmé ton téléphone? C'est qui cette personne? Je ne le connais pas vraiment, mais... c'est un chauffeur bengare que j'ignore. Hey! Tu
quel type de conducteur est-ce que c'est? Hey! Hein? Et il se permet de détruire ton téléphone? C'est chauffeur stupide là. Ah, abîmer ton téléphone. C'est ce téléphone que j'ai acheté avec mon argent difficile, ma sueur. Le téléphone que j'ai acheté à 39 950 naira. Ma sueur. Et il l'abîme comme ça. Le téléphone que j'étais acheté pour enregistrer les numéros des hommes riches qui viendront te chercher dans le futur. Et c'est un pauvre conducteur qui va l'abîmer. Il a cassé un téléphone, mon téléphone, 39 950 naira, beaucoup d'argent. Et tout est écrit sur le reçu. Et il a cassé. Ok. S'il te plaît, est-ce que je peux entrer à la maison maintenant? Oui, tu peux entrer. Et Anna, viens. Viens. Et tu vois ce chauffeur? Et tu vois ce chauffeur-là? Celui qui conduit ces messieurs-là? Je vais m'en charger de lui. Ne t'en fais pas. D'accord, mon frère. Il va payer les pots cassés. Comment il peut casser le téléphone? Si tu récures cette situation de près, aide-le à aller au parking de moto ou aux endroits où on parle des véhicules. Voilà des endroits où on te voit, où, voilà où tu attires les gens. Des gens pauvres. Et là, je suis en train d'essayer, j'ai fait de mon mieux pour que vous habituiez à des grandes personnes. Et tu finis avec. Hey! Les chauffeurs. Honnêtement, ce n'est pas ce que j'avais planifié aujourd'hui. Mais j'ai eu une bonne journée. Merci beaucoup. Écoute. Non. C'est moi qui te remercie. Je te remercie, tu sais. D'accepter de m'accompagner étant comme un étranger. Ce n'est pas toutes les filles qui le font, je t'ai dit. Tu as juste à monter dans la voiture et tu m'as fait visiter la ville. Bien, je ne suis pas comme toutes les filles. Je suis Célina. Est-ce que tu peux t'imaginer que nous avons fait tout le chemin ensemble et je ne t'ai même pas demandé ton nom? Ah, je viens justement de l'écouter, c'est drôle. Drôle, oui, drôle, je t'ai n'est-ce dit. Pas? Ah, alors, c'est quoi ton nom? Ok, mon nom est Chukusam. Mes amis m'appellent Chusfort Tuko. De toutes les façons, c'est un bon nom. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Ah, bien. Comme je le disais, j'aimerais rester. Ok. Mais je ne peux pas. Il est maintenant tard, donc je dois rentrer. Oh, oui. On peut te déposer si ça ne dérange pas. Non, ça ne dérange pas. C'est une bonne chose, Sylvia. Ah, chauffeur, pourquoi tu la regardes, hein? Viens vite nous ouvrir la porte. Désolé, boss. Tu veux seulement regarder sa beauté. Ah, regarde-moi cet homme. Désolé, boss. Désolé, boss. S'il te plaît. Comprends ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Réveille-toi, regarde-le. Je sais que tu es en colère, hein? Je suis tellement désolée, ok? Je suis désolée de ne pas être chauve aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle. J'ai rencontré un homme riche aujourd'hui. Quand j'ai dit un riche, je dirais un homme très riche. Waouh, je suis très contente. Bonne nuit. Ah ah, Selma comme ça? Désolée de te distraire, oh. Mais... Selina, s'il te plaît, laisse-moi me reposer. Merci. Ok, oh. Ah. Thank you.
Bonjour. Salut, Chucks. Bonjour. Comment était ta nuit? C'était très bien. Comment va maman? Ok. C'est bien, chef. Boss, je me demandais que vous me dites comment j'étais hier avec l'encadrement que je suis en train de prendre à propos de draguer. Hein? Dis-moi comment j'ai pu faire. Chokes. Oui, boss. Je suis très content. Je te ferai une surprise. Oui, tu étais magnifique. Ah, j'accepte. Tu es dragueur, mais n'oublie pas, elle n'est pas une nourriture. Oui, je sais. Hey, boss, je lui ai juste demandé d'entrer. Elle aussi venait l'entrée. Ah, boss, j'y suis arrivé. Et boss. Attends un peu. Es-tu tombé amoureux? Non. Mais dis pourquoi tu es tombé amoureux de cette fille. Boss. Je vous laisse, chef. Non, ça ne me dérange pas. Laisse-moi profiter du soleil. Hein? Merci, monsieur. À plus. Merci, chef. Oh. Célina, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je vais dire désolée, oui. Tu dis que tu es désolée. Ok. Espérons que ces excuses viennent de ton cœur. Et d'ailleurs, pourquoi tu me les présentes? C'est à cause du fait que tu n'es toujours pas là quand j'ai besoin de toi? Célina, je t'ai appelée. Je t'ai suppliée de venir m'aider au SOP. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée je ne sais d'où. Maintenant que tu reviens, c'est pour me dire que tu es désolée. Et si quelque chose de mal m'était arrivé? C'était une urgence, Célina. C'était une urgence. Es-tu sérieuse? C'est quoi ce que tu essayes de dire? La maman de Joe était malade, alors je devais me déplacer pour lui envoyer l'argent. Tu peux écouter toi-même? Donc toutes tes accusations à cause de Joe. Pitié de toi, oh. Tu vas regretter si tu m'utilises ta tête. Non mais c'est quoi ton problème? Hein Céline, c'est quoi ton problème? C'est toi qui m'oblige à te répondre. Il me revient le droit de répondre ou non. Je décide de ne pas répondre, laisse-moi tranquille. Ah. Mon frère, je n'ai rien fait. Bien sûr, tout ce que tu as fait n'est pas bien. Absolument tout. Je t'ai envoyé une mission hier, est-ce que tu es venu me donner le feedback? Non, absolument rien. Tu n'es pas venu me dire quoi que ce soit. Non, c'est juste parce que je t'ai rentré en retard. Et je vais refuser de vous déranger. Ce n'est pas parce que tu étais rentré en retard. C'est juste parce que la mission que je t'avais assignée a échoué. Et tu as failli à cette mission. La mission que je t'avais envoyée a échoué. Et c'est la raison pour laquelle tu t'étais décidé de ne pas venir vers moi. Mais tu vois cette mission, tu iras encore aujourd'hui. Mais pas au même endroit. Et tu iras à l'autre shopping mall. Et pas où tu étais hier. Est-ce clair? Mon frère, je n'ai pas besoin de ça. Célina, c'est toi vraiment qui as le courage de me dire cette bêtise? Tu me parles, moi qui suis ton grand frère. C'est lui qui a pris soin de toi depuis qu'on était des petits. Quand on était comme des petits jouets, j'ai pris soin de toi. J'ai pris soin de toi jusqu'à cet âge. Et maintenant, tu as le courage de me dire: oh, tu veux désobéir? Veux-tu me désobéir, moi, ton grand frère, n'est-ce pas? Mon frère, calme-toi, non, hein? Calme-toi. Non, je me calme. Je n'essaye pas de te désobéir. La vérité est que j'avais rencontré un homme riche. La mission est accomplie. C'est du mensonge. Célina, c'est du mensonge. C'est vrai, mon frère. Il était venu me déposer l'année dernière. Eh? Oui, tu le verras bientôt. Célie. Célie, mon frère. Il est venu t'accompagner jusqu'ici. Oui, avec un véhicule à quatre pneus. Oui. Je parle pas de moto à trois roues.
un véhicule. Oui, véhicule. Hey, hey, c'est non, je viens de les rencontrer. Et tu sais quoi? Oui. Quand j'étais en train d'affûter ce couteau, j'ai ressenti quelque chose. Je sentais quelque chose. Et mon nez me disait, il y a quelque chose. Et c'est alors que je t'ai vu, mais j'avais fait semblant. Je comprends. Je pressentais quelque chose. Et je me suis dit, où tu étais allé hier, c'était vraiment avec succès. Oui, parce que tu sentais très bon. Et tu sentais comme si quelqu'un est sorti d'un nouveau, tu sais, des nouveaux véhicules qui ont des climatiseurs. Et tu vois ce genre d'odeur. Et l'air fraîche est venu, on m'a rejoint. Donc je n'ai pas perçu ton odeur corporelle habituelle. Et tu as fait l'odeur comme si j'étais quelqu'un de très particulier. Hein? Mon frère, tu recommences. Célie. Mon frère. J'espère qu'il ne t'a pas touché. Hein? Non. Il ne t'a pas touché. Hein? Il n'a pas fait ces choses. Hein? Et tu es vraiment sûr. Céline. Mon frère, je suis très heureux, je suis vraiment heureux. Et tu sais, tout marche bien maintenant. Et c'est maintenant Anna qui se rebelle. Vraiment. On sera très bientôt. Il est déjà venu voir. Je vais l'attendre. C'est sûr, c'est le genre de choses que je peux entendre. Hey! Qu'est-ce qui se passe? Ah, chef, je ne comprends pas. C'est compliqué. Avant de sortir, j'avais bien contrôlé la voiture. Attends, je vais ouvrir le bouton du capot. Tu ne savais boss, pas ça? Je ne comprends pas. Ah. Boss, je suis vraiment désolé. Laisse-moi d'abord rentrer et vérifier. D'accord, chef. Boss, vous l'avez déjà fait? Bouge encore, s'il te plaît. Ça ne répond pas. Touche les écosses de la batterie. C'est ce que tu fais, boss. Ça ne réagit pas. Oh. Boss. Boss, ça a réagi? Oui, s'il te plaît. Oh, bouge, Elena. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je le répare. Tu m'as embarrassé. Hey. Au milieu de la rue. Désolé, patron. Tu n'as pas contrôlé la voiture. Tu veux que je manque ma rayon? C'est attends, quoi ton problème? Attends un peu. Attends. Mais comment je vais faire? Mais... Ah. Tu m'as dit que tu as fait l'entretien. C'est quoi ça? Oh, je vois. Tu l'as pris confortablement. Sois patient. Quand on sera de retour, désolé, tu verras comment patron. Je me chauffe. Ça va s'arranger. Désolé, patron. Ça, c'est une bêtise. C'est une abomination. C'est une abomination. Je t'ai donné la clé pour parquer et toi tu es parti en ambiance. Regarde-moi maintenant, regarde-moi. Désolé. Pardon. Qu'est-ce que tu fais? Désolé. Tu peux imaginer. Je crois que j'ai un mécanicien qui peut les réparer. Tu es content maintenant, hein? Okay. Vous avez un mécanicien? Oui, je peux vous mettre en contact avec lui. Regarde-moi. Hey. Oh. C'est quelqu'un d'autre. Désolé. Qui fait ton travail. Désolé, hein? Patron. C'est je vois que tu es content maintenant. Ne vous inquiétez pas. Hein? Vas-y. Dis-moi absolument tout. Hein? Je veux tout savoir sur lui. Mon frère, je ne sais même pas où commencer. Commence quand tu veux commencer. Ok. Comme j'étais toute belle en marchant. Anna, attends. Je n'ai pas encore vu Anna depuis le matin. Où est-ce qu'elle est allée? Je suis sûre qu'elle est dans la maison. Comme d'habitude, c'est son aventure, bien sûr. Anna! Cette fille me cherche, elle me cherche vraiment, elle me cherche. Anna me cherche des problèmes dans cette maison. Elle me cherche vraiment. Bon, continue. Et dis-moi ce qui s'est passé. Ok. Et c'est son problème. Elle finit. Alors, comme je marchais très lentement en route, ce jeune homme, cet homme riche, il est riche.
parqué devant moi. Il a parqué? Il a parqué, cela signifie qu'il a un véhicule. Mon frère, il a un véhicule. Il a une voiture et les chauffeurs qui lui conduisent souvent. Hey, mon Dieu! Oh, tu as exaucé nos prières. Il a un véhicule, un chauffeur qui le conduit et partout dans la ville. Hein? Oui, non. Mon frère, hey. C'est garé très lourd. Oui, oui, tu as vraiment besoin. Si, si, il a un véhicule. Alors, c'est vrai. Ah, pourquoi les voitures ne peuvent pas te regarder? Et quand tu marches, tu t'oublies derrière toi. Et surtout quand tu mets ta jolie blouse. Hein? Et c'était vraiment une très belle blouse que j'avais achetée. Oui. Mais tu l'avais montré la griffe. La marque de cette blouse. Mon frère, tu sais quoi? Je vais dépenser beaucoup d'argent pour que tu paraisses très belle comme ça. Et ça, c'est une récompense. Oui, mon Et tu feras toujours venir des riches personnes. Et ne te comprends pas comme celle-là qui fait mettre des robes sans forme. Et tu sais que cette robe, elle veut que cacher ses courbes. Si tu lui demandes de mettre ses pantalons, elle ne va pas accepter. Elle veut que mettre ces histoires-là et qu'il cache tout son corps. Mon frère, arrête. Je ne sais même pas si c'est le boxeur qu'elle porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Anna, calme-toi, non? Tu es toujours en colère contre moi. Écoute, je suis profondément désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je sais que je n'étais pas une bonne sœur pour toi, certainement. Mais je promets de faire de mon mieux. Donne-moi juste la chance, s'il te plaît. Tu sais que tu es bon dans ça. Et tu m'as toujours eu dans ton jeu. Cela veut dire que tu m'as pardonné. Dans une seule condition. Laquelle? Arrête de mettre ta langue sur mes décisions, y compris celle de Joe. Est-ce que nous nous sommes compris? Tu sais, je ne vais pas briser ton cœur, mais je te soutiens. Je n'ai rien compris. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allez, pourquoi tu le mets au sol? Laisse-moi te montrer quelque chose. Célie. Tu sais, on te disait de rester loin de Joe. Tu ne veux pas nous écouter. Regarde ton Joe. Quoi? Non, Céline. Donne. Ça ne peut pas être Joe. Joe? Comment est-ce possible? Hé, ce pays. Ce pays est mauvais, oh. Ah, est-ce que c'est possible? Venez, qu'est-ce que c'est? Venez. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Mon frère, elle a besoin de se reposer. Je ne comprends rien, elle veut se reposer, pourquoi? Hein? Et c'est pas plus tard qu'hier, elle est rentrée très tôt. Et disant que tu es fatiguée, tu devrais te reposer. Aujourd'hui encore. Te voici de retour. Et tu veux encore te reposer? Anna. Et tu es sûre que tu n'es pas enceinte? Grand frère! Ne m'appelle pas grand frère! Et c'est quoi grand frère? Ne remettez pas à zéro tout ce que j'ai pu investir pour vous. Hein? N'osez même pas! N'osez pas du tout! J'espère que tu n'es pas enceinte! Prenons en compte cette possibilité. Même si tu étais enceinte, bon, considérons que tu es enceinte. Et donc c'est de malheureux, de parieurs. Donc tu es enceinte, et Joe, et ce même Joe, et c'est des messieurs pour qui tu gardes le bébé, et cela ne fera jamais que tu sois mort. Grand frère, je ne suis pas du tout enceinte. Deuxièmement, ma relation avec Joe n'est pas comme ce que tu penses. Okay. Pour finir, c'est juste que j'ai appris qu'il est marié avec deux enfants. Hey! Où c'est lui-là? Deux enfants. Hey! Ah! Donc depuis tout ce temps, tu ne faisais que nous flouer. Vraiment. Oui, donc c'est ce que tu es. Ah! Donc toutes ces choses étaient vraies. N'est-ce pas? C'est vrai, non? Mon frère, je dois... Non, mais attends un peu.
Donc c'est vrai. Et ta Ben est rentrée. Hein? Et donc tu nous regardes, n'est-ce pas vrai? Vraiment. Ah. Il ne répond pas toujours. Arrête de l'appeler dans ce cas. Grande sœur, n'est-ce pas que c'est le même gars que tu as rencontré juste hier? Ah! Attends, tu es accrochée à lui autant? Je ne connais même pas, c'est bon? Même si je pressens quelque chose pour lui. Oui, le gars est drôle. Il est beau. Il est gentil et riche. Ma sœur, tu l'as juste rencontré hier et tu connais déjà tout ceci sur lui. On avait pratiquement partagé des bons moments avec lui. La vérité, c'est que je n'allais pas reconnaître toutes ses qualités s'il était pauvre. Tu sais, je ne sais même pas si je lui ai rencontré pour l'argent ou bien je l'aime vraiment. Tu aurais dû voir, grand frère, la façon dont il s'est réjouissé quand je lui ai dit que j'ai rencontré un homme riche. Grande sœur, tu me manques. Ma grande sœur me manque énormément. Je manque à ses côtés de toi. Ma grande sœur auprès de qui j'apprends beaucoup de choses. Beaucoup de sagesse. Depuis que notre frère commence à nous embêter avec ses mariages avec des riches. Je te vois être embarrassée et tu as du coup changé. Ah, je sais. Je suis désolée. Tu veux me faire pleurer maintenant? Tu ne vas pas pleurer. Tu sais, grand frère a beaucoup fait pour nous. Je veux qu'il soit heureux. Il a refusé d'avoir une petite amie, tout en restant lui-même. Il a beaucoup sacrifié juste pour nous. Alors je veux qu'il soit heureux. S'il rencontre un homme riche, lui rendra heureux. Je dois le faire. Je suis partante, moi aussi. Vraiment? Tu sais, après la déception de Joe, j'ai réalisé que le mieux pour moi serait de faire couler mes larmes à Dubaï et de le faire couler ici au village. Je vous savais que c'est Céline-là m'avait appelé et elle m'a écrit, mais... Je comprends pas ce qui est en train de nous arriver. Chef, moi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois comme si que la fille, elle sera désespérée. Non, non, je ne pense pas que ça soit irrespectueux de ta part. Je ne teste pas pour l'instant. Tu sais, attends, as-tu remarqué que toutes ces filles ne te refusent de rien? Non, 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 elles ne font pas. Elles ne veulent pas savoir comment tu es habillé ou là où tu restes. Donc, oui. Elle n'a pas d'autre option que de te faire constamment des messages. Et de t'appeler. Et oui, tu sais, les choses leur passent par la tête. Comme elle ne fait pas quelque chose de mal, ce garçon ne fait que m'enseigner. Il a des règles. Quelles règles? Je sais que cette fille m'est destinée. Qu'est-ce qu'elle va penser de plus? Ne t'en fais pas. Boss. Chef, je pense que vous devrez considérer à devenir un thérapeute de relations. Vous êtes doué, je vous dis franchement. Ok. As-tu oublié que tu étais mon boss maintenant? Ah! C'est pas vrai. Oui, voici ma petite sœur. Elle est toute belle. Waouh! Oh, ma petite sœur, félicitez ma petite sœur, félicitez-la. Regardez ma sœur. Allez, Céline, arrête. Ne me pousse pas à rire. S'il te plaît, ne rigole pas. Tu es juste belle. Regarde-toi. Es-tu sûre que tu ne veux pas venir avec moi? Non. Même si ce n'est pas un grand problème, mon sixième sens me dit qu'il viendra un jour. Je ne vois pas l'important de chercher un homme alors que j'ai déjà un autre.
Ça, c'est ma grande sœur. Je souhaite que tu gardes cette énergie pour la vie. Écoute, ma sœur. Tout ce que je dois faire, Ike, marche très bien. Souris. Change la démarche et sois à l'aise. Et les hommes, ils seront en train de venir. Je dois faire ceci. Salut, comme quand pourquoi tu es tout le temps? Tu sais, non? Mais franchement, je n'arrive pas à faire. Les t'inquiète. Hommes, je suis une mascarade. Ils vont me fuir. Mais c'est bon, je serai de mon avis. Sois prudente, ok? Attends, je vais souffler un peu. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Ok. Rendons grand foi fier. Je ferai de mon mieux. Mais Céline, ses talons sont très hauts. T'inquiète, relaxe-toi. Souviens-toi de ce que je t'avais dit, non? Souviens-toi de ce que je t'avais dit. Marche juste comme ça, oui. Comme ça. Allez, montre-les-moi. Allez, hey. lentement. Oh. Je ferai de mon mieux. Non, pas comme ça. Oui, comme ça. Waouh, voici ma petite terre. Waouh, hey. Waouh. Non, comme ça, waouh, ma petite sœur. Qu'est-ce que tu fais? Un instant. Jokes. Patron. Premièrement, prends les vins. Monsieur. Prends les vins. Pourquoi? Regarde, Chucks. Cette chose que je vais faire. Oui, monsieur. Je vais dire cette affaire. Ok? Oui, monsieur. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je vais plaisanter. Je suis un homme. Et qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, je mets toute ma déduction sur ça. Ok? Oui, monsieur. Alors, ne me fais pas manquer. Oui, monsieur. Cette fille va toujours accepter. Je le crois. C'est ma conviction. Alors, prends le vin. Prends le vin. Tu es le patron, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Attends une seconde. Oui, monsieur. Attends-moi, j'arrive. D'accord. J'arrive bientôt. Oh. Hey, où est-ce que tu vas comme ça? C'est donc toi? Tu as bousillé mon téléphone. C'est comme ça que tu es toujours? Ton boss m'a presque désolé. Tué dernièrement. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je suis désolé, mais... As-tu une jumelle? Vraiment? C'est ce que tu es supposé me dire? Je t'avais dit désolé l'autre fois, mais tu n'avais pas accepté. En fait, bon, laissons tomber cela. Dis-moi, as-tu une jumelle? Elle est vendue dans une boutique. Mais elle n'est pas aussi canon que toi. Et aussi inoffensive. Tu l'es? Mais dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je l'ai voilà pas, ce que tu as je fait. L'ai pas. Voilà ce que tu as causé. Hey. Au milieu de la route. Désolé, patron. Au lieu de m'emprunter ma voiture, tu sais que je suis en retard. C'est attends, quoi avec toi? Attends un peu. Attends. J'ai remis la voiture depuis, voilà. Ah! Tu me dis que tu devais terminer avec la voiture. Voilà où nous sommes. Oh, je vois. Donc tu te mets vraiment à l'aise, quoi. Non, ne t'inquiète pas. Quand tu retourneras à la rue, désolé, alors tu répondras conscience. Ça va s'arranger. Là, tu vas comprendre. Désolé, patron. Je veux de tout ça. C'est vraiment de la folie. Désolé. C'est de la folie. Même les vêtements que je t'ai mis pour la lessive, tu l'as même pas fait. Mais voilà maintenant. Pardon. C'est quoi cette... Pardon. Ah non, attends. Je suis désolé. Tu peux imaginer ça. Je crois que j'ai un mécanicien qui vous aidera à les réparer. Comme tu veux être, laisse-toi. Vous avez un mécanicien qui vous aidera à le faire. Écoute ça. Oh, une autre personne désolé. Passe ton travail. Désolé, hein? Patron. Je vois que tu es vraiment à l'aise. Ne t'inquiète pas. Dis quelque chose. N'as-tu pas une sœur? Pour un chauffeur ordinaire comme toi, tu ne dois pas beaucoup parler. Viens. Bonne journée. Même si tu as gâché la mienne. Excuse-moi. S'il te plaît. Attends. Attends, madame. Mon patron veut te voir. Parce que c'est ton boss. Je dois sauter, encore courir pour arriver vers lui. C'est ça, non? Non, je n'ai pas décidé de cette façon. Ton boss est infirme. N'a-t-il pas de pied? Bien, si ton boss veut me voir, il n'a qu'à venir jusque vers moi. Sinon, oublie-le. Je disais... Attends. Laissez-moi prendre ton numéro pour que je lui donne. Qu'est-ce
quelqu'un a bousillé mon téléphone. Oh, c'est vrai. Tu sais quoi, juste attends un peu. Attends, je prends le tien. Écris ton numéro. Fais vite. Ah, il m'a donné ça pour tes... Elle écrit son numéro sur l'un des billets. Prenez. Qui t'a donné l'argent? Laisse-moi dire juste que j'ai rencontré un homme riche. Et tu as trouvé un homme riche? Hey. Donc, c'est vrai ça? Messieurs? Oui, patron. Pensez-vous qu'il va appeler? Bon, je ne sais pas. Vous voyez, messieurs, cette fille est vraiment très difficile. Elle est difficile. Et j'aime ça, mec. Mais tu sais, c'est ce genre de comportement qui la rend attirante. Ah oui, messieurs. Que ça se passe comme vous voulez. Tu sais, je suis toujours curieux. Est-ce la même fille qui nous avait aidé à voir le mécanicien? Hein? Parce que je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Shop. Pourquoi ta physionomie est comme ça? Ça va. Non, tu ne vas pas bien. Ton numéro j'ai changé depuis hier quand tu m'as demandé le téléphone pour que tu appelles ton petit ami. Il n'est pas mon petit ami. Anna, dis-moi, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi ton numéro est ainsi? Je dois partir. Anna, parle-moi. Anna! Anna, regarde, viens. C'est comment? Est-ce que tu as ces nouvelles? Mon frère, je suis juste fatiguée. Depuis que je lui appelle, il n'y répond pas. Non, tu ne dois pas te fatiguer quand même. Je suis déjà fatiguée. Non, ce n'est pas vrai. Même si c'était le cas, considère-le de la sorte. Mais tu dois l'appeler. Hein? Tu dois l'appeler. Ok. Ne perdez pas l'argent pour lequel j'ai vous acheté les amis. Tu dois l'appeler. Mais il ne répond pas. Ne t'en fais pas. Finira par décrocher et continue de l'appeler. Est-ce que tu comprends? Hein? Salut. Bonjour. Bonjour. Je savais que tu allais venir ici, mais je ne savais pas que ça allait être si tôt. Sûrement. Ok. Oui. Je suis la même personne que tu avais vue. Mais tu sais, je ne t'ai pas reconnu le premier jour où tu étais venu ici. Peut-être parce que tu avais mis un chapeau.
Ok, bien. Je peux du moins savoir pourquoi tu joues avec différentes personnes. Oh, prends place. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Hein? Merci. Et je t'en prie. Donc. Oh oui. Les jours où tu m'as vu au shop depuis UIC, j'étais de très mauvaise humeur. Des habits dans lesquels je m'étais mis n'étaient pas moi. On m'avait forcé la main pour le porter. Je venais d'être dans mon shop quand mon petit ami m'appelait au téléphone, me disant que sa mère était en train de mourir et qu'il avait besoin d'un peu d'argent urgemment pour son traitement. Comme j'avais un peu d'argent, j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit de venir au shop m'aider pendant que je serais en train de lui faire un transfert de la petite somme que j'avais. Après plusieurs heures, ma sœur ne venait pas toujours. Comme elle prenait beaucoup de temps pour venir, j'ai laissé ma boutique pour aller au shop. Et c'est quand j'étais arrivée là, tu connais la suite de l'histoire. Oh, désolé pour le téléphone. Tu sais, je dois être reconnaissante envers toi. Tu sais, et si ce n'était pas ton intervention, je lui aurais envoyé tout mon épargne. C'est pas mon intervention. Et comment ? Quelques heures après, j'apprends que mon petit ami était marié. Ma sœur l'a vu sur Facebook et elle m'a aussi montré le profil de sa femme sur Facebook. Ils ont des enfants. Waouh. Cependant, je n'ai cessé de l'assister financièrement tout ce temps. Et ce n'était pas aussi des sommes importantes, c'était juste des petits gains que je faisais, ça et là. Tu pars à l'église? Je vais à l'église. Je vais prier pour cette famille. Je vais prier Dieu pour que cette famille soit libérée de la captivité. Et des mains du diable, cette famille sera libérée. Regarde-toi maintenant. J'étais très heureuse quand j'avais rencontré cet homme. Les gens vont et évoluent partout et ils font tout très bien. À notre tour, subitement, il ne veut plus de toi encore. Il ne veut plus entendre ta voix. Mon frère, je ne les comprends même plus. Je dirais, on était tellement bien ces jours-là. Je ne sais même pas ce qui est arrivé. Je ne comprends pas. Regarde ta sœur. Regarde Anna. Regarde-la. Et quand elle a rencontré cet homme, elle était très heureuse. Elle était heureuse qu'il est rentré à la maison très joyeuse. Et tout bonnement, quand elle s'est endormie, à son réveil, et elle ne veut plus entendre parler de lui. N'est-ce pas démoniaque? Donc je vais à l'église maintenant. Je dois vraiment prier pour cette famille. Je dois prier pour toi et pour ta sœur. Vous devez être libérés. Amen. Le Dieu que je sers ne m'a pas abandonné et il ne m'abandonnera jamais. Je vais te libérer, toi et ta sœur, de l'emprise du diable. Personne ne pourra faire quelque chose à mes sœurs. Je vais à l'église pour prier. Je vais faire usage de mes genoux. Je vais m'agenouiller et prier le Seigneur. J'invoquerai son nom et il va m'exaucer pour que mes sœurs se sentent à l'aise avec les hommes qu'elles auront rencontrés. Des hommes riches. Amen. Non, mais ça c'est quoi comment faire ça? Ok, mon frère. C'est bon, ne t'en fais pas. Oui, Dieu doit entrer en possession de ma famille. Et j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. Ça doit finir cette affaire. Donc, quels sont tes plans maintenant? Les plans? Pour être sincère avec toi, je n'ai aucun plan pour l'instant. J'en ai marre. Je veux juste me focaliser sur mon business, voir comment je peux l'accroître.
puisque trouver un amour vrai qui peut aboutir jusqu'au mariage ou avec un homme riche ne tient pas pour moi. Et je souhaite aussi que mon frère trouve un boulot. Je crois que pendant qu'il sera occupé en train de travailler pour se faire de l'argent, il va oublier cette idée de nous faire marier avec un homme riche à tout prix. Elle s'appelle Céline. Tu la connais? C'est la fille dont ton boss rejetait les appels. Attends. Tu parles de ta sœur? Oui. Je l'ai découvert hier quand j'essayais d'appeler le numéro de ton boss dans son téléphone. Quand j'ai tapé le numéro directement, j'ai vu son nom. Pourquoi il refoule ses appels? C'est comme ça que ton boss joue avec les sentiments des filles pour briser leur cœur après. Mais tu dois comprendre. J'aimerais te dire que il t'aime réellement. Tu es drôle. Il ne m'aime pas. Il aime la fille avec qui il était au bar. Et non moi. Ça, c'est moi. Tu sais, je me sens tellement mal. J'essaie de me mettre à la place de cette fille qui était au bar. Mais sincèrement, tu dois savoir que ma sœur l'aime énormément. Elle ne cesse de parler de lui. Entre moi et toi, tu sais, je ne vois pas ton boss. Je voulais juste te plaire à mon frère en lui amenant un homme riche. Donc, que veux-tu maintenant? Rien. Salut. Bien, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à des appels et à des messages. Ce n'est plus important. L'essentiel est que tu es déjà là. D'accord. Je suis très heureuse. Je suis aussi heureux de te voir. Puis-je te faire un câlin? Pourquoi pas? Vas-y, viens. Oh, waouh. Oh, tu m'as beaucoup manqué. Ça, c'est bien. Tu m'as manqué. Oui, doucement. Essaye d'abord de voir. Ok, voyons voir ce que c'est. Oh mon Dieu. Si tu peux acheter un téléphone. Je t'en prie. De ton téléphone. Maintenant, je pense partir. J'apprécie.
bien. Je dois maintenant partir. Merci. Le chauffeur est là. Hein? Les chauffeurs, les chauffeurs. Hey. Les grands chauffeurs. Hey. Oh. Bonjour, comment tu vas? Oui, c'est comment ça fait? Très. Alors, comment tu vas? Oui, il va très très bien. Il m'a demandé de mettre ici. Oh! 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 Il a dit que je te donne ça. Il sait très bien que je n'ai pas confirmé ce qu'il m'a envoyé. Il m'ajoute encore ça. Encore. Oh, c'est gentil. Hey. Merci, merci, merci. 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 Regarde, laisse-moi te dire une chose. Tu vois dans cette vie, avoir un beau frère riche, c'est très bien. Très, très important. Je le fais, monsieur. Est-ce que c'est ton véhicule? Est-ce que c'est ton véhicule? Et c'est avec qui il est son mari? Hein? Ouvre bien la porte et tu vas le passer entrer. C'est ça ton travail. Et tu veux qu'elle s'appelle chauffeur, Sophia, ton travail. Viens, 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 viens. Viens d'abord.
As-tu entendu ce que je t'ai dit? Et tu sais que tu es un chauffeur? Oui, monsieur. Et sais-tu que tu es un chauffeur? Oui, monsieur. Oui, réponds-moi. Je suis un chauffeur. C'est très bien. Et j'aime quand tu es fier de ton travail. Il n'y a pas de problème. Je suis un chauffeur. Et je te préviens, c'est pas que je suis content de toi. Et je ne suis pas gentil. Et c'est juste que j'essaie d'être gentil à cause de ton monsieur. Et maintenant, je t'ai pas désolé, désolé. Je te mets à sourire pendant que tu es sérieux. Et quand j'ai changé les lumières, tu peux partir. Ok, monsieur. C'est ton monsieur qui t'a acheté ici. Oui, monsieur. Passez une bonne journée, monsieur. Bonne journée, monsieur. Ah, c'est très bien, merci. Mais pourquoi tu entres rapidement comme ça? Est-ce que ce véhicule t'appartient? Et tu entres de manière bizarre comme ça. Est-ce que tu es villageois? Hein? Si tu te comportes comme ça, je fais rapport à mon beau-frère. Je suis très jaloux avec ma sœur. Bye bye. Fais vite, tu vas rencontrer ton homme, fais vite. Et cet homme doit traiter des monde, sinon il aura des problèmes avec moi. Roule bien. N'abîme pas ma parcelle. Hein? C'est quoi ça comme histoire? C'est l'unique parcelle que notre défunt père nous a laissé. N'abîme pas ma parcelle. Désolé de vous déranger, maman. Ok, désolé. Je veux te demander quelque chose. En fait, à ton retour de la maison, j'ai entendu ton frère qui voulait parler à mon patron à propos de Anna. Je sais pas de quoi s'agit-il. Alors, pourquoi tu veux savoir? Je veux juste... Tu sais que... Mais bon, oublie ce que je t'ai demandé. Allô, bébé chéri. Comment de ton côté? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu tentais de faire? Oui. Je peux t'écouter maintenant. Tu as acheté un téléphone? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon. Ok. Tu as dit qu'il t'a acheté un téléphone? Oui, il m'a acheté un téléphone. Je suis vraiment énervée. Je ne sais pas comment m'exprimer. Mais c'était sur son chemin de la maison pour venir me chercher. Si je comprends, non? Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Bien sûr, je sais qu'il m'apprécie. Moi, je sais que je l'apprécie. Oh! Laisse-moi t'avouer que quand je suis devant lui, je n'arrive plus à me contrôler. Je l'aime tellement. Je ne peux me passer de lui. Tu sais, surtout quand il était venu me laisser le téléphone, j'avais comme l'impression de... Son regard m'a emporté. Vraiment? Je te dis vrai, grande sœur, je l'aime énormément. Ok, pas de problème. Parlons juste après, je vais t'appeler après. Ok, bye, je t'aime. Je t'aime aussi, bye. Bye. Ça, je ne sais même pas comment l'appeler. Le problème maintenant, c'est mon frère. À propos de la question que tu m'as posée, mon frère m'a confié une mission. Ils m'ont demandé de parler avec des amis qui ont un peu de moyens. Ils veulent la mettre en contact avec elle. C'est tout. D'accord. Waouh. Donc tu l'as acheté un téléphone. Merci beaucoup pour ça. C'est gratuit. Thank you.
il peut continuer sa relation avec ma sœur. Entre toi et moi, je ne vois pas de boss. Je voulais juste faire plaisir à mon frère en lui amenant un enfant riche. Bien sûr, je sais qu'il m'aime et je l'aime aussi, je sais. Et je n'arrive plus à me contrôler devant lui. Je me sens tellement emportée quand je suis avec lui. Et je n'arrive plus à me passer de lui. Tu sais, pendant que j'étais en train de courir, j'étais sur le point de lui dire de tourner les volants et venir vers moi pour que nous puissions à parler. Patron. Est-ce que tout va bien, monsieur? Je prends la sœur. Tu sors maintenant? Je peux apprendre quelque chose. Il y a quelque chose que je vais te demander. C'est quoi la nourriture préférée de ton boss? Il aime le Owa. Owa? La soupe d'Owa, oui. Hey, Owa. Pourquoi? Ok, je vais le préparer. Je vais préparer Owa. Wow. Il va aimer ça. Oui. Maintenant, je peux partir. Ah, non, avant que tu partes. Je veux m'excuser pour la façon dont j'étais parlé aujourd'hui à la maison. C'était une erreur. Je le faisais juste pour mon frère. Tu sais, je faisais ce qu'il me voit comme une femme boss. Oui. Alors, je suis désolée. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je suis une bonne personne. Bien, c'est bon. Je n'ai pas mal pris ça. Ok. Et maintenant, je dois partir. Pas de problème. Oh, ha! La soupe de mon patron. Ok. Ok, prends soin de lui. Ok, bye. Prends soin de lui. C'est bon. Je veux dire, vous étiez en train de parler ici? Oui. Je lui parlais juste. De quoi parliez-vous? C'est un secret, je lui demandais juste quelque chose. Oh, maintenant c'est une histoire secrète, tu vois. Écoute, je vais te poser une question aussi. Ok. Tu vois, l'homme que tu appelles le chauffeur, d'accord? Je veux dire, mon chauffeur. Oui, ton chauffeur. Mon chauffeur, c'est ça. Alors, si. Et si c'était moi qui était le chauffeur? Imagine que j'étais le chauffeur. M'aimerais-tu toujours de la façon dont tu dis m'aimer en ce moment? Écoute, considérant le fait que tu me vois avec de l'argent, tu te dis sûrement maintenant que, et si je n'avais pas tout ça, m'aimerais-tu toujours? Je ne sais pas trop. Si je suis en relation avec toi, c'est à cause de ton argent. Mais avec le temps, la façon dont tu vas me traiter, tout en prenant soin de moi, faire tout juste pour me rendre heureuse, je finirai par t'aimer, bien sûr. Même si tu n'es rien ou un chauffeur, je crois que je t'aimerai toujours parce que tu es une bonne personne. Pourquoi tu es revenu? Oh, d'ailleurs, c'est mieux que tu sois revenu. Aide-moi à faire fonctionner le téléphone, ça paraît compliqué.
Tu sais que tu es belle naturellement. Peu importe que tu te fais maquiller ou pas, moi je t'aime comme ça. C'est comme s'il y a une poussée dans ton menton. Laisse-moi voir. Ah, mon client potentiel. S'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Toi avec ça. Tu sais que c'est que j'ai toujours pris là. Écoute d'abord. Hein? Tu es très heureuse aujourd'hui. C'est quoi le problème? Tu ne comprendras pas, mon client. Mais pourquoi tu prends un sachet aujourd'hui? Et tu veux que je prenne combien? Oui, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Le problème est que ce qui te rend heureuse, et je ne comprends pas. Mais du moins, je te dis, cherche à garder la chose qui te rend heureuse. Et ce sera une bonne chose. Ok, bye. À la prochaine. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu penses? À propos de quoi? À propos de ce que ton client disait. Il a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu es prête à t'accrocher à ce que tu aimes vraiment, peu importe ce qui va arriver? Oui. Mais tu sais, le problème Ce n'est pas ton problème. Ok? Ne t'en fais pas. Tu ne me comprends pas certainement. Mon frère ne me laissera pas avancer aussi facilement. Pour mon frère, je dois épouser un homme riche. Pour rien. Maintenant, tu n'as rien à craindre. Hein? Oui, mon frère, je suis là maintenant. Tout va bien. Il est à l'intérieur. Oui, petit. Oui, et il a dit que Hugo lui a donné une place pour rester. Pour qu'il puisse finir avec son projet de plus possible. Après ça, ils iront dans leur manoir en ville. Bien sûr, non, j'irai avec E. J'irai avec lui. Anna, qu'est-ce que tu fais ici? Mais grand-père t'avait dit d'être loin de lui. Ma chérie, écoute-moi. Cet homme que tu vois ici, dont ta sœur doit rester loin, selon ce qu'a dit ton frère, cet homme est mon patron. C'est la raison pour laquelle je t'avais demandé si j'étais un chauffeur, est-ce que tu m'aimerais encore? Qu'est-ce qui ça a à voir avec moi? Pourquoi Anne est ici? Je ne comprends pas. Ils sont ensemble maintenant? Je viens de te dire qu'il est mon patron. Et pour de vrai, c'est moi le chauffeur. Tu me mets en confusion. C'est ton boss et tu es le chauffeur. Oui. Essayes-tu de jouer avec moi? Patron. Chokes. Qu'est-ce qui ne va pas ici? Maintenant, Céline, c'était un jeu depuis longtemps. Mais j'aime ta sœur. Je ne comprends pas toujours. Vous dites que vous étiez en train de jouer avec moi il y a longtemps. Céline, ma chérie, c'est... Ce n'est pas comme tu le penses. C'est... Oui, c'était un jeu au début. Mais dans la suite, j'ai vu ce qui s'est caché. Derrière cette beauté, ton cœur, j'ai vu ton cœur et je suis tombé amoureux de la personne. Alors tu vois, ce n'est pas un jeu. Tu vois,
Tu vois, tu vois cet homme-là. Je ne sais pas comment l'appeler, mais... Oui, c'est mon patron, mais en même temps, il est l'homme le plus gentil que j'ai jamais connu. Et il est aussi la raison pour laquelle je t'ai trouvé. Que j'ai trouvé cette joie infinie. Toi. Je vais casser tous ces devants. Je vais les casser et je vais monter en étage. Hein? Je vais les lever en étage. Je vais mettre le balcon jusque là. Et je mettrai la champagne jusque là. Et ça ira de l'autre côté. Et ma période sera de l'autre côté. Et là, je vais me reposer. Et partout, ça sera vraiment de la classe, de la classe. Je vais même construire quelque chose ici. Hein? Que je sais très bien. Mais si j'ai essayé de faire quelque chose ici, bon, je verrai où est-ce que je vais parquer mon véhicule. Et parce que là, je suis en train d'espérer à plus de 7 véhicules. Et qui seront parqués ici. Et ils s'arrêteront ici. Et le pilier, il y aura un ici. Et un autre ici. Et un autre là-bas. Et ça, la charpente viendra jusqu'ici. Et jusqu'ici. Hein? Et ce que j'ai dit, même les ingénieurs ne comprendront absolument rien. Cet arbre, je vais le couper. Hein? Je vais couper quelques branches. Hey! Oh, je suis riche maintenant. Regarde mon plan, il est tellement merveilleux. Plan. Voilà, je l'ai maintenant. J'ai fait les plans de la maison, tout est maintenant, ok. Je crois que maintenant toute chose sera mise à sa place. Et tout, absolument tout. Hey, c'est vraiment ça la main de Dieu. Et je suis en train de me plaindre pendant beaucoup de temps. Il est... Ah! Oh, mon beau frère, entrez, petit à petit, entrez, hein. Oui, petit à petit. Oh, c'est bon. C'est très bien maintenant. Ah, ah. Ah. Hein? Céline, pourquoi est-ce que tu t'es mise devant là, hein? Hein? Et pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? C'est quoi le problème? Et c'est quoi le problème? Hein? Et qu'est-ce qu'il y a? Mais chauffeur, c'est quoi le problème? Hein? Hé! Hey! Mon frère, calme-toi. Mais calme-toi, pourquoi est-ce qu'il est avec elle? Calme-toi. Et toi, monsieur le chauffeur, combien de fois t'es-je prévenu pour ça? Hannah, tu as permis au monsieur d'ouvrir la portière pour toi? S'il te plaît, calme-toi. Hey, chauffeur, hein? À combien de reprises t'es-je prévenu d'exercer loin de ma soeur? S'il te plaît. Du calme, monsieur. Et je t'ai pas dit quand je dis à avancer, ça me répond. Mon frère, tu restes loin de ma soeur. Reste loin de ma soeur. Calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi, s'il te plaît. Calme-toi. Je n'apprécie pas ça. Oui, grand frère, il est le boss et lui, c'est le chauffeur. Viens d'abord. Et qui est le boss parmi eux? C'est mon frère. Le chauffeur et le boss. Le boss, c'est lui, le chauffeur. Attends, je ne comprends rien. Mon beau frère. J'ai dit lui. Lui, il est le chauffeur. Non, oui, ton beau frère. Et c'est mon beau frère qui est le boss. Et le chauffeur, reste le chauffeur. Non! Ton beau frère, c'est lui le chauffeur. Et celui-là, oh grand frère, tu me mets en confusion. Oh. Les chauffeurs, c'est maintenant lui le boss. C'est bien, c'est les chauffeurs. C'est le chauffeur, non? C'est lui le chauffeur, comment il devient beau frère? Mais c'est ça, mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Que c'est lui qui. Non, est... mais tais-toi. Oh, attends. D'après toi, tu n'as pas encore pris la leçon? Et si, j'ai appris, non? J'ai appris une leçon, je crois que j'ai dit c'était. J'ai bien vu que tu tentais de les frapper. Je n'étais pas en train de les frapper, je suis en train de l'embarrasser. Ah. Mais je l'ai fait pour lui. C'est le chauffeur. Tu sais une chose? Ne jamais sous-estimer une personne. D'accord. Parce que tu ne pourras jamais, jamais comprendre la leçon. On ne sait jamais. Et j'ai aussi appris ma leçon. Et c'est des prières. Oui, c'est vraiment des prières. Et oui, je suis vraiment sûr. Et pour tout ce qui s'est passé, je suis vraiment désolé. S'il te plaît, désolé. Et c'est lui le chauffeur. Et vous êtes mon beau frère. J'ai appris quelque chose. Je suis désolé. Non, ne me touchez pas. Que personne ne m'interdise. Laissez-moi lui demander pardon. Beau frère, pardon. Et je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonnez-moi pour tout ce que je vous ai fait. Et pardonnez-moi de vous avoir traité de chauffeur. Hein? Ne sachant pas que c'est vous, mon beau frère. Maintenant, je sais tout. C'est bon. Hein? Et l'ignorance n'est pas une excuse. Et s'il te plaît. Ton pardon est accepté. Merci beaucoup. Merci pour la main. Merci beaucoup. Je t'en prie. Monsieur. J'ai vraiment aimé. Tu vois ta sœur ici présente? Je l'aime tellement fort. Hi.
Je t'aime aussi. Oui, elle t'aime aussi. Elle est très, très gentille. Je suis d'accord pour tout, oui. Aime-la. Prends-la. Hein? Grand frère, tu as changé. Oui, j'ai changé d'avis. Hein? Je sais pourquoi je suis venu ici. Ne le fais plus jamais. Non, je ne vais pas faire ça. Mon frère. Monsieur le chauffeur. Chux, mon frère. Monsieur le chauffeur, tu aimes ma soeur. Hein? Oui. Et tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui. Et toi aussi, tu l'aimes? Oui, mon frère, je l'aime. Et tu l'aimes? Ok. Je veux vous aimer, vous deux. Hein? Et je ne me fous de tout le reste. Ouais. Peu importe que tu aies de l'argent, hein, est-ce que tu comprends? Du moment où tu continues à aimer ma soeur, continue à aimer. Ah oui, merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci infiniment. Prends-la. Merci. Elle est tienne. Merci infiniment. Et maintenant, vous pouvez, et comme le constater comme moi, nous sommes une très grande famille, d'accord? Elle s'est mariée déjà. Ok, il s'est content encore, n'est-ce pas? D'accord, alors entrons à l'intérieur, je vais vous divertir, d'accord? C'est bien, alors, attendez. Vous pouvez entrer en premier, vous pouvez entrer. Est-ce qu'il y a une différence? Ah, non, ne vous en faites pas, je vais essayer de d'apporter quelque chose de plus. Non, frère, tu parles. Vraiment, c'est merveilleux. Merci beaucoup. Céline, regarde là, apporte les bananes que je t'avais demandé de garder. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.